J'espère que vous allez bien. J'étais à la moitié de ma vidéo quand je me suis rendu compte que je n'avais pas allumé le micro. Voilà, donc on recommence. La fameuse vidéo des coloriages terminés. Donc le mois d'avril, je n'en avais pas fait. Donc voilà, on se retrouve pour le mois d'avril et le mois de mai. Voilà, plus de matière. Parce que ouais, en avril, j'avais pas colo beaucoup. Donc on va passer en plan bureau. Donc tout d'abord, je suis allée dans le grand classique Mystère, tome 1, où j'ai fait John Smith de Pocahontas, où j'ai utilisé du coup les Gangna Po, les Whiff Scent, Action et tout l'art essentiel. Voilà. J'ai mis du washi autour, mais voilà, j'ai voulu camoufler la légende. Avec mon Posca noir, et ben ça, voilà, j'ai eu un gros accident. Bref, Posca et moi, on divorce. Voilà, tout simplement. Quand ça va plus, ben on arrête. Hein. Je lui ai donné suffisamment de chance. Hein. Il y a des moments où je pardonne, tout ça, je réessaye les choses. Et non. Il veut pas, il veut pas. Hein. Il n'y met pas du sien. Donc, ben, moi, je m'en vais. Voilà, je le quitte. Tout simplement. Donc, ce qui est dommage, c'est que les zones blanches ne soient pas blanches. J'ai essayé de remettre du action blanc, mais enfin, moi, ça se voit, ça jaunit un petit peu. Bah, bref. Et le washi tape d'action qui ne colle pas. Donc, mettez toujours un petit peu. Moi, j'ai tendance à prendre la petite colle souris, pop, 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 et puis on colle par-dessus. Au moins, ça colle. Donc voilà pour lui. Il est fait. C'était mon premier au feutre à alcool. Voilà, mon tout premier. J'ai passé plusieurs couches parce que bah, y avait quand même des traces. Et j'ai certains feutres qui ne sont vraiment pas opaques. Vraiment. Mais bon, celui-là encore, il n'est pas. Enfin, si les traits sont foncés dans celui-ci. Les traits sont foncés. Voilà pour lui. Après, je suis allée dans le bloc Princesse. Je n'ai pas fini d'imprimer parce que bah, ma cartouche est quasi vide, donc c'est compliqué d'imprimer du colo. Pour imprimer des nuanciers, ça passe, mais imprimer des colos, elle veut pas. Donc, Ariel in the Bottle en duo avec Cheryl. D'ailleurs, je sais même pas si elle l'a. Je crois qu'elle l'a toujours pas fini, ou je sais pas. Mais bon, elle est en plein déménagement et tout. Enfin, c'est. Ouais, je la laisse un petit peu tranquille. De toute façon, je poste quasiment pas. Vous pouvez le voir. Donc le washi tape d'action, celui-ci c'est de la grosse daube. Voilà. J'ai vidé quasiment ma bouteille de Glossy Accent. Hein, vous pouvez le voir. Il m'en reste encore, mais voilà, je l'ai bien vidé. Donc Prisma, Glossy, Luminance, Jelly Roll, Intense, de l'encre action avec un pochoir. Voilà, on voit les démarcations du pochoir. C'est pas folichon, hein, mais bon, voilà. Je l'aime bien quand même. Je l'aime bien quand même. Hop. Voilà pour lui. Après, Ariel. Ah bah, on a été beaucoup à faire Médusa. Voilà, on voulait faire un Kirby ensemble. Du coup, moi, c'est dans le Color Morphia parce que je l'ai déjà fait dans le Mythomorphia. Mais version totalement différente. Donc là, j'ai utilisé Prisma. Ah, j'ai quasiment rien noté. L'or Winsor et Newton. De la merde. Faut secouer, 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 secouer toutes les 5 minutes. Et c'est relou. C'est relou. En fond, on a Grimoire de Mathilde. Voilà, je pense qu'on le reconnaît hein, de toute manière. Grimoire de Mathilde, les yeux et la bouche, c'est aquarelle caméléon de Créa 2015 sur Vinted. Voilà, j'en ai pris quelques-unes. Voilà, et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, rien. Pardon, c'est l'heure de la sieste. Mais non, je suis contente du résultat. Celui-ci a été posté. Après Médusa, Dembo dans le
grand carré portrait pour le Taz et ses mignons. Hop, j'avais du retard parce que celui-là, normalement, c'était le mois de mars. Ouais, celui-là, c'était février. Donc, ouais. Dumbo, qui a été fait en bonne partie en live, me semble-t-il. Vous avez tous les replays, je vous les mets au compte-gouttes pour pas vous étouffer non plus. Puis bon, bah, c'est long à télécharger tout ça parce que je fais pas la mise en ligne automatique. Parce que bah. Pourquoi je le fais pas? Je peux pas choisir la miniature ou je sais plus quoi, je crois. C'est comme ça. Je sais plus. Bref. Je le fais à l'ancienne. Donc Prismacolor, je sais plus pour le fond si c'est Néocolor ou les craies Inder Metz-Hertz. Mitterz. Enfin, les craies allemandes là. Vous avez toujours le lien dans la barre d'infos parce que bah, c'est ce que j'utilise souvent. Voilà. Des Albrecht, des drawings et Pentel hybride doré. Voilà. Voilà pour lui. Je vais le garder à portée de main parce que j'y suis retournée. Ensuite, duo. Y a des moments comme ça où je fais que bailler, c'est relou. Duo avec Princesse dans le Midnight Mascarade de Anna Carlson. Du coup, cette double page, voilà, deux portraits où j'ai utilisé de l'aquarelle de Mathilde en fond. C'est Mercredi. Elle s'appelle Mercredi, cette aquarelle. Je l'aime beaucoup. Prisma, du poli pour les cheveux, du Pentel hein, pour les bijoux. Il y a du Stickles. L'humocolore pour mes petits grelots parce qu'ils ressortaient pas du tout. Et du Jelly Roll. Là, on est Rex. Mais il veut pas. Tu mets. Oh, voilà. Là, c'est mieux. Voilà, là, c'est mieux. Désolée. Mais il faut ce qu'il faut. Hein. Hop. Donc, ouais, j'aime bien. Et j'ai rajouté des paillettes libres dans le noir. C'est le noir de Mathilde, ça aussi. Je l'ai rajouté des paillettes. Des paillettes libres. D'ailleurs, je les ai toujours pas rangées, elles sont toujours sur le bureau. Hop. Et les notifications, bien sûr. On les a pas enlevées. Ah, bah oui. Désolée. Hop. Et ça. Alors. Moi, je l'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est toujours plaisant d'aller dans du Anna Carlson. Après. Le fameux tome 11 grand classique. Que j'ai dû désosser parce que bah, mes doubles pages n'étaient pas l'une en face de l'autre. Hein. Voilà. J'ai fait clochette. Où j'ai modifié le fond. Le fond, c'était pas du tout ça qui était prévu. Voilà. Elle était comme ça de base et moi j'ai modifié. Voilà, j'ai changé les couleurs. J'ai mis beaucoup de stickles. Mais bon, les zones blanches ne sont pas blanches. Ça, c'est regrettable. Hachette rose. Et les traits sont fort. On les voit fort, les traits. Donc voilà, les crayons ont du mal à passer au-dessus. Washi tape d'action, une drouille. Voilà. Sinon, bah oui, Focent, action, Tool Art et Gangna Po. Voilà. Même le néon, là, c'est du. Ça, c'est dans les. Oui, Focent. Qu'on a un néon comme ça. Donc voilà. Non, je l'aime bien. Hop. Et là, il y a du stickles là, ouais. C'est de Frosted là que j'ai mis. Donc voilà pour ça. Après, on retourne dans le grand carré portrait. Où j'ai fait Koda.
Ouais, du coup, j'en ai fait deux au mois d'avril. Ouais, c'est ça. Donc, Coda, combo de Mademoiselle Disneyland. Au Prismacolor avec de l'Albrecht, les craies allemandes là du coup en fond, du jelly, du drawing. Et puis voilà. Ouais. C'était pendant les vacances, je crois, les vacances scolaires d'avril. Ouais, c'est ça. J'avais commencé en live à faire Coda et du coup pendant les vacances, je n'ai rien fait et je l'ai repris qu'après les vacances en revenant en live, je crois. Ouais. Donc voilà, Coda est fait. Pour le fil violet. Ensuite, duo avec Taz qui a enfin craqué grâce à moi pour du Anna Carlson. Voilà, donc le Axan Stuga, nous avons fait la clé. Je me suis inspirée de la version de d'Audrey Mog. Voilà. Donc j'ai utilisé le pochoir que Taz m'avait offert avec les mousses embellissantes de chez Action, les studios Mao. Voilà. Utiliser ceci. Nous avons de l'aquarelle, la noire de Mathilde en tour, la Bocondo et de la Sparks. La imagination. Voilà. J'ai tenté avec la Colorix blanche au départ, mais je la trouvais pas assez pigmentée. Donc j'ai pris la Winsor & Newton, j'ai fait des taches et du Pentel hybride. Voilà. Et je pense que là, sur les clés, ça doit être. Ah, le Winsor & Newton, c'est le. Ah, mince. Comment ça s'appelle? Medium iridescent. Voilà. Voilà pour lui. Hop. Il y en a un fraîchement fini aussi. Je vais vous le montrer à la fin du coup parce que bah, je l'ai fini quand? Dimanche? Là on est de combien? Ça compte pour le mois de juin? Ah, je le compte pour le mois de juin. Eh ouais, va falloir attendre les gars. Donc, ensuite un gros bébé, voilà, le Harry Potter, livre des ennuis-minures, qui pèse une tonne. Alors, je me suis incrustée dans un duo, c'est devenu un trio, mais je crois qu'on était quatre en fait. Je crois qu'il y a. Ah, faut que ce. Oh, le pseudo, le pseudo, le pseudo, le pseudo. Donc, il y a Dizziac, Tarkovet. Je l'ai sur le bout de la langue! Ah, je sais plus. Ça veut pas. Donc, on a fait les Dursley. Donc, pour lui, j'ai utilisé du poli pour les cheveux, du Prisma, du washi tape pour le papier peint et du Pentel hybride. Bah, ouais. Et pour là, je sais plus. Pour la moquette. J'ai utilisé crayon et puis de l'essence sans odeur, je pense. Mais je crois que j'ai dû rajouter, je sais pas quoi, je sais plus. Bref. Vous voyez quand même un peu l'effet moquette. Voilà, vous voyez que j'ai fait des. Voilà. Hein? Parce qu'ils ont une moquette vraiment horrible, ces gens-là. Sachez-le. Je me suis amusée à reproduire le tweet de la jupe de la dame. Je vais voir ça un peu. Est-ce que là, pour la peine? Hop là. Donc ouais, du washi pour le papier peint. Sinon, tout le reste, c'est du crayon. Là aussi, j'ai voulu faire un truc parce que normalement, c'était leur portrait et tout. La même, plus petite et tout. Et non, non, en fait, non. Donc j'ai fait un cadre basique. Voilà. Et la moquette. Voilà. Et la super jupette en tweed. On adore. Bref,
Voilà. Une page de plus. Bah, ça fait que deux pages, hein, de fait. Hein. Dizia et Tarkovet le font dans l'ordre. Donc, ils ont déjà fait ces deux-ci. Moi, j'ai juste fait Rogue. Ouais. Donc, voilà. Pour lui. Après ça. Le petit carré coco. Donc ça, c'était pour le thème néon de Dizziak. Vous allez voir, j'ai fait un effet cheveux de fou. Elles me l'ont toutes envié sur le live du reveal dimanche. Moi, il est passé où ce colo? Non, mais c'est sérieux là? Il est là. Finesse. Donc pour les thèmes néons, voilà, une page papier peint, voilà, lambda, mais voilà, avec un effet cheveux, voilà. Waouh! Tellement bio, voilà. Je sais. Le talent, que voulez-vous, le talent. Voilà pour ce petit colo. Hop. Après. Donc ça aussi c'est pour un challenge, donc c'est pour le challenge de Gaël. Reveal fin septembre, je crois. Mi-septembre, je sais plus trop. Bref, vous avez le temps si jamais vous voulez participer. Le thème, c'est papillon. Donc j'ai fait le cycle de vie du papillon. Je savais que j'avais un colo comme ça, mais j'étais persuadée que c'était un Kirby. Et j'ai jamais retrouvé le cycle de vie du papillon de Kirby. Donc je suis déçue. Mais bon, j'ai fait celui-ci, du coup. Alors, ah oui, du coup, double page. Ça rentre pas, hein. Hop. Donc, le fond. J'utilise toujours mon petit truc que j'ai fait moi-même. Sur quoi je peux me mettre? Vous voyez rien du tout, mais bon, je me suis découpé des formes de nuages, voilà, sur une fiche plat une feuille plastique, voilà, et je viens appliquer mon pastel sec avec des emboudoirs différentes couleurs, hop, hop. Et je fais mes nuages comme ça, voilà. Ma machine est en fin de cycle, je pense que vous allez l'entendre. Drawing pour les arbres. Sinon, bah, c'est du Prisma. Oui, Prisma. Pastel sec, c'est les Mungyo que j'ai. Donc, drawing Prisma et Peppermate Flair pour faire le noir. Le noir. Voilà. Mais j'ai vraiment adoré faire ce colo. Et du Stickles. Voilà, j'ai rajouté des petits trucs de Stickles. Voilà, vous voyez que ça brille là. Mais voilà, j'ai vraiment adoré faire ce coloriage. Très contente de mon combo de bleu là. J'aime beaucoup. C'est vraiment mon colo préf de ce mois-ci. Le colo préf du mois prochain, je l'ai déjà fait. Je comptais vous le montrer, mais finalement non. Voilà, faudra attendre. Mais voilà, je suis assez satisfaite des colos que je fais en ce moment. C'est bien. J'en fais peut-être moins, mais quand j'en fais, je fais pas semblant, quoi. Non, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Fait aussi en partie en live, me semble-t-il. Oui. Donc ouais. C'était cool. Puis je suis enfin retournée dans celui-ci parce que j'ai vraiment du mal à y aller habituellement, mais j'aime bien. J'aime bien. Ouais. Donc c'est cool. Et après, je suis retournée dans le grand carré portrait. Hop! Donc j'ai fait Hercule et Pégase. Le fond pastel sec. Mungyo, du coup. Pentel hybride. Sinon, on a du. Ah, j'ai pas noté, bien entendu. Alors, on a des macarons. Macarons Prisma.
Les brûles de fenêtre à macaron. Jelly roll. Et puis c'est tout. Je pense. Mais ouais, je l'aime bien. Et du coup, je le faisais pour le fil violet de Taz, mais aussi pour les JO du colo de Kiran. Voilà. Pour la catégorie colo Hercule. Voilà. Est-ce que j'ai mis? Oui. Donc c'est bien. J'aime bien. Hop. Et enfin, c'est le dernier. Non, bah non. Eh ben dis donc. Bah oui, du coup, il y a 2 mois. Girl Power. Jade m'a choisi un colo. Elle m'a choisi Mimi, bien entendu. Donc là, j'ai utilisé bah, les actions, les ibifs. Voilà, ceux que j'avais pas avant. Voilà, les 84 là. Tully Art. Et Gangna. Et les Wefocent. Voilà. Et je me suis repris une petite boîte d'ailleurs, je sais pas où elle en est au niveau transit, va falloir que je regarde ça. Mais ben, je me suis repris une boîte de Gangna 60, je crois. Parce que bon, il y a quand même quelques teintes bah, qu'on n'a pas. Donc j'attends de voir ce que font Tooly Art, s'il y a possibilité d'avoir des broches par la suite à l'unité sur leur site. Et s'il y a vraiment des couleurs qu'on a du mal à avoir ailleurs, et ben je prendrai chez eux et voilà. Type celui-là, le gris très très clair avec un petit peu de bleu dedans, voilà, ça j'ai pas. Donc j'ai pris quoi? Je sais même plus lequel j'ai pris. Ben, un gris basique. Et là, celui-là, il est vraiment cool, il est vraiment simple. Les traits sont pas très très foncés et le blanc est blanc. Alléluia en fait. Donc ouais, celui-là, ça va vraiment être un plaisir de retourner dedans. Hein. Franchement. C'était Milly qui me l'avait offert. Des bisous, ma Milly, si tu passes par là. Je pense à toi encore régulièrement. Mais ouais, celui-là, il est simple. Franchement, pour débuter, il est pas mal. Il est simple et bah, le blanc est blanc et les illus sont pas mal. Mais bon, c'est Girl Power. Mais il est vraiment, vraiment sympathique. J'avais fait Raya aussi. Mais je sais plus où. Ah, elle est là. Au crayon au boss que j'ai plus hein. Mais il reste encore du grain de papier, je suis pas fan. Mais voilà. Vous voyez le rendu crayon et le rendu du coup peut-être acrylique, il hein, n'y a pas de. Ah, voilà quoi. Voilà pour lui. Et enfin, et ouais, the last. Le grand carré petite poupée où là encore j'ai fait pour Kiran pour les JO du colo dans le thème de la course donc on a Flynn c'est ça mais lol qu'est-ce que j'ai écrit moi la meuf qu'est-ce que j'ai écrit j'ai écrit Eric mais non oh là là ça va pas mais non c'est Flynn Rider. De son vrai nom, Eugène. Flynn et Maximus. Oh, Eric. Mais non, mais quoi? Donc, on a de nouveau les fameuses craies allemandes, là, en fond. Du Albrecht. Albrecht, je sais pas. Prisma. Un petit peu de Pentélibride, parce que quand même, hein. Et un peu d'Intense. Toi, la mouche, tu vas bientôt mourir si tu ne sors pas d'ici. Sache-le. Les mouches ne sont pas tolérées à l'intérieur de cette maison. Donc ouais, un peu d'Intense et puis du sennelier blanc. Mais voilà. Pour mon petit. Voilà. Je suis contente. Mirambi. Non, au revoir, madame. Voilà. Donc ouais, cool. Et là, je vais peut-être rajouter que je l'ai fait en match. Je pense pas, hein. Mais là, vu que c'est. Il n'y a rien derrière, je peux. Mai 2024. Parce que bon, bah, la mémoire est plus là. Mais bon, j'ai fait celui-ci. Et celui-là, je l'ai fait en décembre. Ah, bah, là, j'ai écrit janvier. Janvier 2024. Parce que bon, on me l'avait offert à Noël. Donc, ouais. Vraiment sympa ce petit. Ce grand carré. Donc, on a fini. J'ai pas d'encours. Parce que j'ai fini bah, mon colo.
Pardon, mais ça fait du bien. Parce que j'ai refait un duo avec Taz. Mais bah je l'ai fini dimanche. Mais bon. Il a été très vite à faire, donc non, je ne vais pas le compter dans le mois de mai, en fait. Parce que je l'ai commencé quand? Je l'ai commencé en live. Oui, je l'ai commencé en live vendredi. Donc non, c'est tricher, dire que je l'ai fait en mai. On est d'accord. Donc ça sera pour le mois de juin. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté. Faut que je pense à le noter. Il faudra que je mette mon petit truc. Mais juin, du coup, là, c'était le 51e de l'année. 52. Et du coup, bah, le premier du mois de juin. Du coup, c'est dans le AXENT, en tout cas. Je vous tease. Hein. Duo avec Taz. Hop! Donc ouais, faudrait que je note ce que j'ai utilisé, que je regarde un peu si ça me revient. Et voilà. Sinon, quels sont les colos de prévus? J'en ai un de prévu. Avec Princesse, du coup, dans Frost Kingdom cette fois-ci. Chaque fois je galère pour trouver la page. Ah, celui-ci, le petit chaperon. Je ne sais pas quelle couleur je vais le faire, mais le petit chaperon. Voilà, ça sera celle-ci. Dans le. Ah, c'est compliqué. Hop. Celui-là. Ouais. Dans le Petite Bête, le colo du mois. C'est pas une page qui me botte, donc franchement, je sais pas si je vais la faire. J'ai pas marqué la page, bien entendu. J'ai même pas été voir le colo en vrai. Mais je sais pas. Il y avait celle-ci, mais finalement elle n'a pas été choisie, donc voilà. Ah, mais c'est parce que ça fait une double page avec le mois dernier ou enfin machin, mais vu que j'ai pas fait celui d'à côté. Il y avait celui-là le mois dernier. C'est laquelle? Non, franchement, je sais même plus. Je sais même plus laquelle c'est. Je suis pas fan. J'attends toujours celle-ci, moi. J'attends toujours ça. Ah, c'est celle-là. Il me semble que c'est celle-ci. Oui, c'est celle-là. Hein, parce qu'ils avaient fait la double. Ils avaient fait. Merci. Si jamais vous avez reconnu l'air, dites-moi de qui c'est, parce que franchement, je ne connais pas ce classique. Faut que je demande à OK Kaline. Donc, celui-ci, normalement. Donc, je ne sais pas. Peut-être que sur un malentendu, je vais le faire. Peut-être. Le bambou est assez inspirant, quand même. Mais juste le bambou. Le reste, pas trop. Donc, je verrai si je le fais ou pas. Et bien entendu, il y aura le grand classique. Non, pas grand classique. Le grand galerie de portraits. Voilà. Parce que bah, les viewers, c'est quasiment à 100% là. Je crois qu'on était à 92 ou un truc comme ça vendredi. Donc mardi, ça va être clôturé. Et puis voilà, je vais entamer ceci, quoi. Donc voilà pour les prochains. Mais pour rejoindre, j'en ai déjà un de fait. Voilà, on est le 3 quand je filme. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire celui que vous avez préféré, celui que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas. On se retrouve du coup bah, bientôt pour une prochaine vidéo, hein, dimanche, hein, bien entendu, et puis les replays entre deux. Je vous fais des bisous, on se retrouve bientôt, soit sur Twitch, soit sur YouTube. Si jamais vous voulez me proposer un duo ou quoi, n'hésitez pas à venir me voir sur Insta ou sur Twitch. Et voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao!